C'est une tournée qui a servi au vice-président du Centre des libéraux réformateurs comme une tribune pour édifier les céléristes et les Gabonais de la capitale économique sur des faits constatés. Face à cela, le CLR s'insurge contre tous les détracteurs de l'action gouvernementale et du chef de l'État. Malgré tous nos efforts conjugués et la détermination de tous les Gabonais de bonne volonté, en tête desquels le président Ali Bongo Ondimba, je suis dans le regret de vous informer qu'il y a des gens de plus en plus nombreux, Gabonais ou étrangers, qui veulent nous détruire, tout détruire. Ces personnes sont partout et vous les trouvez dans les partis politiques de la majorité comme de l'opposition. Vous les trouvez dans la société civile comme dans la presse. Ils sont dans nos quartiers, dans nos maisons et malheureusement aussi au sein de notre exécutif, y compris à la présidence de la République. Une dénonciation unique et un franc-parler qui met en avant le comportement de certains concitoyens qui n'ont pour mission véritable que la chute du Gabon. Ceux-là prétendent servir le président de la République alors qu'ils se servent eux-mêmes et retardent les projets du président pour le Gabon. Ils prétendent aimer le Gabon, la nation, alors qu'ils n'aiment que sa richesse et l'argent du Gabon. Parmi leurs armes bactériologiques, il y a la rumeur, le Congo-Sa, la manipulation, l'intimidation. Pour boucler cette tournée, Alexandre Désiré Tapoyo, au nom du CLR, a fait un important don de matériel pharmaceutique au dispensaire, en dénonçant Mario, situé dans le premier arrondissement de Port-Gentil.